Et salut les amis, c'est Razor qui vous parle et bienvenue sur une nouvelle série que je vais faire sur Honey Pop, un jeu vachement bien puisqu'il s'agit d'un dating sim, mais en puzzle game. C'est là toute la différence. Et surtout, vous allez vachement bien vous amuser parce que tout le jeu est en anglais. Oui, absolument tout le jeu est en anglais. Alors, faut savoir que dans ce jeu, j'ai mes préférences parce que je suis allé sur deux parties. Il y en a une où je suis allé plus loin que l'autre. Alors, j'aime qui ? Elle. 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 Et j'ai testé qui ? Elle. Vous comprendrez pourquoi quand on aura fait le jeu en profondeur. Allez, c'est parti. Donc, on va y aller en tant que femme. C'est parti. Wouh ! Ça va être génial. Bon, par contre, évidemment, j'ai pas le jeu en non censuré parce que je l'ai acheté sur Steam et que Steam n'aime pas les jeux non censurés. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on va lui répondre ? On va lui dire bien bonjour. Ok, could I get you to maybe take it down a notch ? I'm right here. Et on va lui dire que on la trouve vraiment très très jolie, évidemment. Nice to meet you. Alors, en sachant les enfants que si jamais vous ne comprenez pas certains termes dans la vidéo par exemple, dans ce qu'ils disent, vous pouvez absolument me demander en commentaire, je me ferai un plaisir évidemment de vous traduire ce qui est dit. Parce que, faut pas déconner, il faut toujours traduire ce qui est dit, mais comme elle parle assez vite, j'arrive pas à traduire coup à coup. Vous comprendrez plus tard. Voilà. On va dire que c'est un peu bizarre. That's great. I have a weird name. Look, girl, are you gonna be all right? Quand on a fini, voilà. En sachant que peu importe si vous prenez un homme ou une femme, l'orientation sexuelle de vos partenaires va changer de toute manière. Parce que oui, ce jeu n'est pas sexiste. Non, que vous soyez un homme ou une femme, on s'en fout. L'essentiel, c'est de copuler. Vous comprendrez plus tard. Donc, on va lui dire que voilà, que c'est cool, tout cool, voilà. Qu'elle est mignonne, tout ça, voilà. Je préfère vous dire de suite, ce jeu est très bien. En tout cas, j'aime beaucoup. Donc oui, comme je vous l'ai dit, si jamais vous ne comprenez pas un terme, mettez-le moi dans les commentaires et je me ferai un plaisir de vous le traduire juste pour vous, évidemment. Hey you, rise and shine. We've got work to do. Alors, elle là, exactement celle qu'on a vue il y a 2 minutes. Oui. On va lui dire que vous aviez un magnifique rêve, évidemment. Et que vous continuez à rêver, évidemment. Don't you recognize this adorable face? It's Kiyu from the bar. Clever disguise, right? I can change my hair any color I want. It's pretty sweet. If you can't tell by now, I'm a fairy. Well, a love fairy to be exact. On va lui dire que qu'est-ce qu'exactement qu'une fée de l'amour? Oui, alors je vous préviens. Attendez 2 secondes. Qu'est-ce que je voulais dire? Let's just say you will be my greatest accomplishment yet. Qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, ça me rappelle. Ça me revient, pardon, je sais plus ce que je dis. Bon bref, il faut savoir que dans ce jeu, les engueulades peuvent être fréquentes. Entre filles, oui, parce qu'il y en a qui s'aiment et qui ne s'aiment pas. Comme dans la vraie vie, vous aimez des gens, vous détestez des gens, voilà, mais c'est pareil. Et pour un jeu qui coûte pas si cher que ça sur Steam, parce que je crois qu'il coûte moins de 10€, en sachant que ce jeu a une suite qui coûte, elle, 6 à 7€, je crois, il est vraiment très bien comme jeu. Pour un prix aussi bas, il est vraiment très bien. Et en plus, c'est vachement bien dessiné. Ouais, qu'on continue.
Can't a fairy just help a sister out? We need to get started right away. Tell me, how many dates have you been on? Oh my god. On va dire qu'on a lu un certain nombre. Évidemment, c'est mentir. Right, grab your shit. We're going on a date right now. Someone has to show you the ropes. I know a place nearby that's open pretty late. You'll love it. Or not, I don't care. Donc, là, elle va nous apprendre les bases du jeu. Qu'évidemment, je connais, puisque c'est quand même la troisième partie que je fais. Évidemment. Donc, voilà, c'est très simple. Voilà. Bon, donc, je vous passe, parce que je vais vous expliquer les choses. Alors là, par exemple, vous voyez, vous avez un puzzle. Oui, avec des trucs. Oui. Alors, regardez bien. Le truc que je vous montre là, ce cœur brisé, il ne faut surtout pas qu'il y en ait trois sur la même ligne. Pourquoi ? Parce que vous voyez la barre qu'il y a juste là, elle se remplit petit à petit. Et si jamais vous mettez trois, ça comme ça, et bien justement, vous allez perdre l'affection qu'il y a là, et vous allez potentiellement ruiner votre rendez-vous. Donc il ne faut jamais mettre plus de trois cœurs brisés sur la même ligne, ou la même colonne. Parce que oui, ce jeu marche en colonne. Au lieu d'avoir un puzzle game à la con où vous pouvez faire là, là, là ou là, non, par exemple ça, vous pouvez le diriger là, et le diriger là, jusque là. Oui, c'est génial. Vous comprendrez plus tard. Voilà, regardez, voilà, c'est génial. L'affection, tout ça. Voilà, les rouges, c'est la sexualité, tout ça, c'est génial, c'est... C'est génial. Voilà. Alors ceci là par exemple. Oh, ta gueule, je parle. Alors ces choses là, par exemple vous pouvez en avoir 6. Alors ça par exemple, il vous faut 6 sentiments. Les sentiments c'est c'est cette petite larme là. Donc les sentiments, si vous avez des sentiments, vous en avez 6 par exemple, et vous le donnez là. Et tous les voilà, tous les cœurs brisés vont devenir des cœurs comme ça. Voilà, c'est magique. Et il faut savoir qu'il y a plusieurs trucs de ce genre, évidemment, avec des choses, avec des effets qui ne sont pas du tout les mêmes. Vous comprendrez plus tard. Voilà, on fait ça. Okay. Et maintenant, vous lui donnez. Voyez ? Génial ! Je parle. Donc maintenant, elle nous laisse... De quoi faire le rendez-vous seul. On y va. En gros, c'est tout simple. Il suffit juste de faire ça. En sachant que plus vous êtes à un rendez-vous, plus la difficulté du rendez-vous augmente. Parce que sinon, c'est trop facile. Hein. Là, donc, vous voyez, il faut surtout faire attention à ce que ça, ce ne soit pas au bon endroit. Il faut surtout pas que ça se mette ensemble. Vous comprenez ? Voilà. C'est simple. C'est tout con. Vous voyez là par exemple, ce que j'ai fait c'est pas bien. Fallait pas le faire. C'était pour vous montrer. Mais oui. C'était fait exprès. Ou pas. Évidemment. Évidemment. Tout est fait exprès. Avec moi. Tout. Absolument tout. Sinon c'est pas drôle. Sinon, ce n'est pas drôle. Et j'aime pas quand c'est pas drôle. Là, par exemple, si vous mettez trois cloches, vous avez un mouvement supplémentaire. Et c'est parfois très utile, croyez-moi. Surtout quand vous êtes en manque de mouvement. Bon, là, évidemment, on peut pas perdre, hein. Mais dans les autres rendez-vous, on peut. Là, par exemple, j'ai fait de la merde. Ce qu'il faut pas faire, évidemment. On va y arriver, vous en faites pas. Hein. Alors, il faut que... Voilà. Et quand vous arrivez à 100, c'est un succès. Et il faut évidemment faire en sorte que tous vos rendez-vous soient des succès.
Voilà. Donc, je pense qu'on va pouvoir finir cet épisode sur ce magnifique tacticiel. Je suis vraiment désolé pour le son de mon téléphone. Je pensais l'avoir éteint. Vraiment désolé. Ce sont des choses qui arrivent. Donc voilà, elle nous explique... Ta gueule. Alors, elle nous explique qu'on peut avoir le machin. Alors ça, il faut faire très attention. Parce que ça... C'est ça, les enfants. Quand vous pouvez... l'avoir en tant que date, parce que oui, on peut l'avoir en tant que date, il faudra lui donner ça. Juste à elle seule. Et si vous lui donnez ça, elle va vous donner un petit buzuk qu'il faudra, évidemment, aller amener à la plage en pleine nuit, ouais, sinon c'est pas drôle, en pleine nuit, parce qu'il faut poindre dans un endroit, il faut qu'une des filles soit. Donc le petit buzuk vous permettra de débloquer un personnage supplémentaire. Voilà. Voilà, voilà. Donc, je pense que... Voilà. Voilà, voilà, voilà. Alors, où est-ce qu'on va aller? On va aller au club de fitness. Je vous expliquerai plus tard. Enfin, vous allez le voir de suite pourquoi. Pourquoi j'aime bien aller au club de gym. Par rapport à la demoiselle qui se présente. Celle qui parlait là. Yeah, my English lit class was canceled. Tiffany, je l'aime pas tellement. Je la préfère elle. Je vous le dirai plus tard pourquoi. Hey, listen. Thanks so much for watching Philip the other day. I know it was last minute. No, don't even mention it. I'd love to hang out with Billy. He's my little buddy. Did he give you any trouble? Nope, like an angel. An angel? Are you sure you were watching the right kid? I know I still owe you two, so don't worry. I should be getting my paycheck tomorrow. Faut savoir que la nana ici présente a un gosse. Oui. Sinon c'est pas drôle. Too late. Have a good workout. Hey, get back here. This isn't over. Man, will you get a load of these two? I'd kill to have tits like that. Oui, ça parle mal comme ça, oui, de suite. Oui. I'm just a figment of your imagination. Plot twist. Nah, I'm crazy real. I just hid myself from everyone so I can give you advice on the sideline. This She's probably looking for a decent girl because of that baby mama drama. So, just try not to be an ass for like 5 minutes. Oh, she's looking over this way. Showtime. Hey, are you finished with that machine? I have one set left to jam out. Donc voilà, on va se quitter sur ce dialogue bien évidemment. Parce que oui, j'aime faire chier le monde. Voilà. Donc mais de toute manière, il y aura un épisode juste après. Parce que évidemment, je vais pas vous laisser sur un épisode tutoriel, hein, ça se fait pas non plus, je suis pas comme ça quand même. Donc spécialement, je vous ferai un épisode en plus à côté. Évidemment, dans ma grande générosité. Donc, en tout cas, j'espère que ça vous aura plu. Si c'était le cas, vous connaissez la chanson. C'était Razor, pour vous servir. Bye tout le monde, je vous aime. Bisous.